Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes, je crois qu'on est le 31 juillet. Oui, c'est ça, le 31 juillet, à 11h32. Bon, ben aujourd'hui, je vais aller jouer sur le plateau de jeu que je n'ai pas encore joué contre des joueurs, que ça veut dire le Yoshi Tropical, l'île tropicale de Yoshi. Donc, Yoshi Tropical Island. En anglais. Ah ouais, puis depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ben j'ai dit d'atteindre certains objectifs. Contre des ordinateurs au niveau facile. J'ai joué 30 tours, puis j'ai essayé de gagner tous les mini-jeux, mais j'en ai perdu 2 ou 3. Dont un de mini-buzzer. D'un jeu buzzer, pardon. D'un mini-jeu de buzzer, c'est ça que je voulais dire. Bon. Puis, savez-vous quoi? Quand on joue 30 tours, il y a 3 étoiles bonus qu'on peut obtenir, et j'ai obtenu les 3. Dont un qui était la case buzzer, j'avais appuyé sur la case buzzer au deuxième tour. Et grâce aux 3 étoiles bonus, j'ai pu accumuler 7 étoiles. En une partie. J'en avais 5 à la fin. Et puis oui, il y a aussi obtenu 200 pièces au plus fort d'une partie. J'en ai accumulé jusqu'à 434. Oui, 434 contre des ordinateurs. Bon, je sais que c'est facile, mais écoutez, ça sera difficile de tenir 200 pièces en jouant avec des adversaires. Déjà, avoir atteint 150, mais c'est déjà beaucoup, mais j'étais avec des ordinateurs à ce moment-là. Mais j'ai pas toujours réussi à voler 3 étoiles à des adversaires pendant une partie. Et la manière la plus simple à faire, mais la plus difficile aussi, ça serait de jouer l'île des horreurs. Ok. Avoir sa possession 150 pièces, plus un passe-partout pour aller voir King Boo la nuit, à droite du tableau en haut. Et tenter de voler une étoile à chaque adversaire, ce qui en ferait un total de 3. Si chaque adversaire a au moins une étoile. Oui, 30 pièces à 19 pour une partie, j'ai toujours pas atteint non plus. Oui, 50 pièces à des adversaires pendant une partie, ça j'ai jamais fait. Puis aussi, obtenir 3 fuites ou plus en une partie, je l'ai atteint aussi. Regardez, moisson du bonus. Récupérer toutes les étoiles bonus d'une partie, il y en avait eu 3. J'ai obtenu les 3. Donc, un que j'avais obtenu avec un ordinateur avec la case buzzer, parce que moi j'ai pris sa case buzzer au deuxième tour, puis il y a un autre ordinateur qui a pris sur une case buzzer aussi. En fait, il y en a eu 4, là, mais je veux dire, comme je vous dis, je viens de vous le montrer. J'ai accumulé 200 pièces. J'ai obtenu 7 étoiles ou plus durant une partie. Et aussi récupéré toutes les étoiles bonus d'une partie. Et obtenir 3 fruits durant une partie. Et ça sera un petit peu plus tard. Puis là, ici, il n'y a rien que de changer. Oui, 434 étoiles au total. Puis aussi, il y a eu des pièces à gogo. Puis les pièces à gogo ont compté double.
Puis c'était lors du jeu du frère Marteau. J'ai obtenu, je pense, 60 pièces, j'ai obtenu 120 au lieu de 60. Qui a augmenté grandement mon nombre de pièces. À ce moment-là, je devais avoir. J'ai pas 400 là, d'un coup. En tout cas, mais quand même beaucoup. En tout cas, la dernière fois, ben ça a été quand même une bonne partie. T'sais, même si je savais que je la remportais pas. Et que j'ai eu un petit bug au cerveau à la toute fin. Là, j'aurais peut-être pu essayer d'aller obtenir une étoile, mais je savais que je perdais quand même, peu importe ce qui arrivait. Mais j'étais certain d'avoir une étoile bonus et c'est ce qui est arrivé. Comme un jeu pour des objectifs faciles, ben il y a des extras que tu peux atteindre, des objectifs que tu peux atteindre facilement. D'autres non. Tu peux avoir de la chance comme remporter tous les niveaux. Et ça dépend toujours des mini-jeux auxquels tu joues, ça dépend qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive dans les jeux. Tout le monde choisit des nombre de tours par défaut. Ouais, encore un. C'est sûr que c'est moi qui commence dernier là. En plus, c'est moi qui ai placé dernier aussi. À date, il y a personne qui est parti là, j'espère pas là, parce que là, sinon ça fait un peu dur là. Bon, un gain de téléportation, ok.
presque à temps pour lancer son dé. Un gros 1. Un gros 1. Ouch. Ben au moins, oh, ça va faire switch. Gros bon. Encore un. Moi je veux qu'il soit de ce côté là. Moi je préfère mieux qu'il soit de ce bord là que soit de l'autre bord. Savez-vous pourquoi? En cause de boue. Justement pour ça je veux que Toadette soit de ce bord là. Bon ok, première fois que je vais jouer ce mini-jeu là contre des joueurs. Bon, ok, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que je vais avoir un bon match-up cette fois-ci? Parce que là, avec le genre de Yoshi de la dernière fois, on était vraiment pas synchrone, mais pas franc en tout. Tout dans le jeu du prix, là. Ouf, ça faisait dur. Et après là, je me suis ramassé à jouer contre l'ordinateur à la fin. Oublie ça, je pouvais pas les battre. Pourquoi ça va par là? Ça me met ça. On va continuer ça. L'important c'est de faire le tour, je vais aller de ce côté-là, je vais même pas de côté. Donc au moins on a gagné. C'est ça que c'est important. En tout cas, je pense qu'il y avait personne qui était fort dans ce mini-jeu-là. Ah oh ben, 10 pièces. Merveilleux. Wario Time. Pourquoi qu'il regarde le plateau? Toadette est de notre bord là. Un gros 10. Voilà, il regarde. Cause Buzzer. Ok. attention, je suis devant. Bon, que va-t-il se passer aujourd'hui? Oups, tu perds ton Buzzer. Bon, ok, d'abord, il va y avoir un switch. Qui va être le plus avantagé?
Ah oui, c'est moi qui les ai désavantagés. Bon, on est tous contre Wario. Ok, bon. On va jouer la première fois pour ça. On va voir ce qui est bon. Le joueur. Bon. Allons-y. C'est parti! Bon, ok, ça va pas bien. Oh, ok, j'ai réussi. J'ai réussi à le piéger là-dessus. Oh, fuck. On l'a eu. Bon, bah là, il reste toujours des pardons, là. Bon, bah, il a réussi, bravo. Oh, exactement ce que tu me fallais. Il me fallait exactement mieux, c'était le conseil que fallait si j'avais vu, c'était un gros problème. J'aurais eu un gros problème, oui. Bon, cette fois-ci, tout ce qu'on doit lui dire. Poursuite sur neige, ok. On ne doit pas être dans l'île pas si mal que ça.
qu'est-ce qu'attend le joueur de Wario pour jouer? C'est parti! Ok, c'est quoi le live là? Et voilà! Bravo Wario! Ben bravo le joueur de Wario! Bien résisté, ouf! Hein, Seigneur, j'étais là, Seigneur, c'était chaud! C'était chaud, genre en milieu, là, Seigneur, wow! Y'a-tu quelqu'un qui a quitté ou c'est moi qui. Non, non, tout est beau! Ok! Oh! Un bloc caché. Qu'est-ce qu'il contient? Oh! Un petit pièce. Bon, ok. Oh. Que va-t-il prendre? Des sous-mesures? Moi, il me semble qu'il devrait prendre des sous-mesures. Pas un démon anglais. Ok. Pourquoi il veut prendre un des sous-mesures? Ok. Pourquoi? Ok. Peut-être pour essayer d'obtenir une carte chance. Oh, lui aussi? Oh, ben, coudonc. Oh, ben, le chanceux. Une étoile. Oui, 10 pièces, Soupine. Fury Buzzer. Oh non, pas lui, là, pas ça. Non. Bon, mais c'est un jeu d'hasard, ça. Bonne chance à tout le monde. Bon, il y a juste un joueur de Bello qui fait pas le hooker. Pourtant, c'est pour moi de se pratiquer pour ça. C'est un jeu de sens, ça là. Bon, ok. Patientons. C'est parti! Ah, c'est moi qui ai vu le dernier en plus. Oh, ça lag un peu, hein. Ok. Oups.
Ouais, lequel va-t-il choisir? Moi, je pense que c'est le rouge. Moi, je pense que c'est le rouge, puis il va pas exploser la page en voyant la marque de la. On peut rien y faire quand c'est un niveau comme ça, ça reste un jeu de chance. Fait que, on peut oublier ce mini-jeu-là. J'ai gagné 3 points de mini-jeu, fait que c'est pas si grave que ça. Pourquoi la connexion serait instable? C'est pas censé être instable là. Là, qu'est-ce qui arrive là? C'est pas le temps que ça soit instable là. Oh. Ouch. Bon, ça va jouer entre Bredo et Waluigi. Moi, je pense que c'est le rôle. J'avais raison, c'est le rôle. Ok, allez, un deuxième round pour les deux. Ok, go. Non, là, elle est en train de faire exploser la face, je pense. Ah oui, je le savais. Bon, ben, c'est Waluigi qui gagne. J'avais juste à voir. Oh, le joueur est parti. C'est pour ça que la connexion était instable. C'était le joueur qui était là qui ralentissait le jeu. Bon, ok, il nous reste deux joueurs au moins. Ah, un bout de pièce. Wario time. Faut juste pas qu'il obtienne deux. S'il obtient deux, ils vont être dans le trou. Ah, yes, sir, c'est exactement ça que je voulais cacher. Oups. Attention là, ça va être dangereux là. Oh yeah.
Donc attention, un mini-jeu double là. Relancer. Oh, c'est de lui. Ça sera pas un mini-jeu évident ça là. Out. C'est parti! Ah non, disons pas qu'il va pas en congeler. Ah non, je souffle la commande le monde. Arrêtez-moi ça, là, ce niaisage-là. Oh, bye bye Wario! Terminé. Dommage! J'ai fini deuxième, moi! Ah, il a réussi à me doubler juste à temps! Fudge! Je compte l'ordinateur, mais là ça tombe pas bien ça là. En plus c'est moi qui est en arrière. C'est parti! Ah mon dieu, c'est comme vous l'avez dit, moi je suis pas bon en arrière. Ah oui, on doit plutôt qu'il y a tout ça. Ah ben, coudonc, on a gagné, ben coudonc, c'est quoi qui vient de dans le jeu là? Coudonc, c'était 2-0, tout d'un coup 3-2. Ben coudonc. Donc qu'est-ce que Bezo va faire? Cache chance, ok. Ben pourquoi pas le cache chance, ok. C'est pas vraiment random ça là. Time
Bon, j'ai pas besoin de m'inquiéter, même si je perds des pièces, ça me dérange pas tant que ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont toutes eux autres à s'en aller? Non mais sérieux, je comprends pas là. Je comprends pas pourquoi que les gens s'en vont. Et quoi, ils croient qu'ils peuvent gagner? C'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas là. La partie est pas encore finie, on est juste rendu à la... On est même pas rendu encore à la moitié. Pas quand je joue, mais dis donc. C'est plate ça, Seigneur. Je sais pas pourquoi les joueurs ont quitté. Pourtant, ils accusaient pas de retard. Je comprends pas. C'est parti! Je ne sais pas ce qu'il a repris toutes mes pièces que j'ai perdu. Il m'en manquait 4. En tout cas, je comprendrai jamais le monde pourquoi qui quitte en plein milieu de la partie alors qu'ils sont même pas en retard, rien. Je comprends pas. Tu sais, la partie était quand même amusante, mais là... J'y comprends juste pas. C'est pour ça que je me suis plate de jouer contre des joueurs aléatoires parce qu'ils finissent toujours partie pour je ne sais quelle raison. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils s'en aillent tous, j'en ai aucune idée.
Bon, ok, on y va. C'est parti! Ok, alors ça. Comme ça. Bon, mes camaradons. Donc on va faire le don avec ce token-là. Non, c'est bon, ok. Il n'y a pas assez de pièces.
Bon, ça veut dire que je devrais gagner. En sachant que c'est des ordinateurs probablement faciles. C'est parti! Et voilà, on est sorti. Victoire! Un joueur a dit veuillez patienter. Ah oui, comment ça? C'est-tu censé arriver ça? Mais pourquoi tu t'es quitté tantôt? C'est quoi ce what the fuck là? Ton ordinateur, il y a 2 étoiles. Bon. Ouais, salut, mais où t'étais? Parce que pendant ce temps-là, je gagne mes mini-jeux. Tout le monde pense que c'est WarGG qui va gagner, et bien plutôt. Un super peu de téléportation au chien. Faut choisir avec qui tu voudrais switcher, hein, bien plutôt. Ça, ça arrête pas dans ce temps-là. Oui, oui, oui. Je savais pas qu'un gars pouvait revenir dans la partie, mais crime, il était où pendant une partie de tour? Il a manqué 4 tours. Encore? Il va se demander ce qu'il est de toi, mais toi il est devant toi. Il va s'en rendre compte tout de suite. Bon là, qu'est-ce qu'il va faire là encore? Je sais qu'il y a un 10 sur mesure. Il veut m'empêcher d'avoir une étoile. À moins qu'il va avoir une fausse chance. J'ai vu, mais d'après moi, il pense que c'est ça qu'il veut essayer de faire, c'est justement avoir une fausse d'exclamation. Et voilà, obtenu! Ah, même pas, cache objet, ok. Oh! Un bloc de téléportation! Terminé. Bien joué! Bon, 5 au moins.
Étoile obtenue! On est tous construits, ok. Tant quoi? Cabane qui roule. Il y a dans la pratique, est-ce qu'il est déjà crevé? Ok, mais on peut-tu commencer? Allô? C'est parti! Ah ben, dis donc, le Waluigi s'en est occupé. Bon, ben là, il pourra pas utiliser son tuyau d'or pour l'instant. Le Yaskato. Ok, avec qui il va se switcher, là? Oh, la chance, ça. Étoile obtenue. Ah, là, ça c'est mon mini-jeu. Ça, c'est mon mini-jeu. Bonne chance, là. Ah, oh, non, c'est ça. Ah, oh, ok, c'est ça. Ok, c'est ça. Fait ton panier. Ok, je pense que c'était l'autre. Non, c'était. Bon, c'est. Je me sens que c'était autre chose. Mais c'était pas le. C'est parti! Pas toutes les pièces, mais ben, il faudrait un item pour pouvoir avancer un peu plus parce que, genre, j'ai pas les peurs, j'ai 5, j'ai fait des gros chiffres. Il me reste encore 4 tours là, à faire. On va essayer d'avoir un dernier item si c'est possible, mais pour ça, il faut que j'obtienne des gros chiffres pour mes 3 prochains tours, ben, incluant celui-ci. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais t'es calme! Fait que t'as cette pièce là! Réveille! T'as cette pièce! T'as cette pièce, t'as même pas assez! Mais sérieux là, tu niaises ou tu t'as gaspillé ça pour rien? Non, mais qu'est-ce que c'est ça, cette niaiserie là? Mais là, sérieux là! Thank you.
Non, mais sérieux, là, j'ai jamais vu un joueur agir de main, de la sorte, excusez-moi, là, mais... Je comprends pas. Je comprends pas, Sadio. Ok, vas-tu jouer à m'emmener? Seigneur, je joue avec des joueurs endormis. Plutôt, voyons. À quoi ça doit être faire une pratique pendant 25 secondes puis pas perdre mon temps, là? Je m'excuse, mais tu me fais perdre mon temps. Et cette niaiserie-là, c'est un ordinateur facile, fait que... Vas-y, tu peux le battre. Allez, fais au moins 20 sauts. Fais au moins 20 sauts. Ah, un peu moins sûr qu'on peut disposer, mais au moins. Et tout ça pour ça, ça sert pas à grand chose. Ah, il met pas un gros chiffre au dé, là, pas le choix là-dessus. Un gros 4. Ah ben tiens, j'ai obtenu un point d'exclamation encore. Ok. On va avancer ça. Bon, je m'amuse à switcher les places là, en tout cas. Je suis tous contre Luigi. Bon. Ok. C'est parti! Il a plein de vidéos, ça va le plus bien. Alors, là, c'est la cible de Waluigi, là, franchement. C'est juste à la fin qu'il décide de s'en prendre à Wario. Mais Seigneur, pendant au moins un bon 20 secondes, il tape comme ça, il tape à moi, là. Oh aïe aïe, mauvais switch. Oh aïe aïe, ça fait tellement long, ça fait un mauvais switch. Pourquoi les autres obtiennent des gros chiffres et moi j'obtiens rien? Hein? Bon, pour moi, il est censé de que j'ai 2 étoiles, puis sinon, c'est bon. Moi j'ai tenu un dé maudit à 16 pièces. Le joueur le sait pas. Que je l'ai obtenu, mais en tout cas. Encore un bloc caché, mais voyons donc. Ben là, Zénia, c'est pas juste. Moi, j'ai ri. J'obtiens même pas ça, moi, des bloc cachés. Tout le monde obtient étoile, étoile, pièce. Ben là. Yes.
C'est parti. J'arrive à temps. Donc pour le prochain tour, faut que j'obtienne 4. Il faut que j'obtienne un nombre de 4, je vais obtenir un tour d'or. Moi je vais obtenir un tour d'or. Je vais voir peut-être qu'elle va l'utiliser. Au dernier tour, une réelle, en tout cas, je vais plus décider. Attention, passe bonjour. Bon, que va-t-il se passer cette fois-ci? Pour ce joueur, ben, on devrait dire pour l'ordinateur cette fois-ci. Oh, donc 30 pièces, ouch! Oh, là, ça m'arrange. Bon, ok. Bon, ok, que va-t-il décider le joueur? Faut prendre des mesures, mais il va aller où avec ça? Ok, que vas-tu faire avec ton dé? Il est en train de réfléchir, je pense. Mais le mieux qu'il devrait faire, c'est d'aller chercher un tuyau d'or. Enfin, d'après moi, c'est ça qu'il devrait faire, là, mais on verra qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'il a la chance avec son dé sur mesure. Il devrait aller en haut. Il a passé à utiliser un tuyau d'or au prochain tour. Il devrait aller en haut. Il devrait aller en haut. Ok. Bon. C'est un bon tour. 4. Allez, bam! Oui, 5! Hmm.
Allez, 7 pièces, 7 pièces, 7 pièces. Oui! Ah, je mets 17 pièces, oh yeah! Oh yeah, 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 yeah! Yes! Là, je me donne une sérieuse option. Hey, bye bye! Qu'est-ce qui attend le jeu de Wario? Hey, là, tu vas pas encore faire exprès, là, pour faire attendre le monde. Je m'excuse, là, le monde. Je sais pas qu'est-ce que vous avez tous à attendre, après le temps. Je comprends pas. Vous êtes des gens qui réfléchissent trop. Moi, je suis minding tout le temps. Dans ma tête. C'est parti! Oh, Baby Birdo nous a sauvé la mise, pis le Wario, il a rien fait pour encore. Ouais, c'est trop drôle. Si tu viens de manquer ma shot, Birdo, il arrive bam d'un coup. Oui, oui, oui. C'est tellement drôle. Bon, le dernier tour va être déterminant, là. Là, je sais pas ce qui va se passer, là. Hein? Il va t'avoir avoir des toiles, oui ou non? Je le savais. Je le savais. Pourquoi lui? Tu te comprends en tout. Je comprends pas sa patente. Je comprends juste pas sa patente. Il s'est allé voir 45 à l'autre. Franchement. Il y avait eu 20 plus de chance avec moi que l'autre. Une bonne opportunité pour le joueur. Avec un jeu facile de même, c'est sûr et certain qu'il devrait gagner. En temps normal, il devrait gagner. Hein? Pour une pratique. Pour ces mini-jeux-là, moi, j'y connais par cœur les mini-jeux de Super Mario Party. Donc, sérieux, là. En tout cas, c'est pas ça qui va me faire impatienter, je m'en fous, ça prendra le temps que ça voudra jouer la partie. Mais vous perdez votre temps, là. C'est parti! Allez, go! C'est beau que ce soit un ordinateur facile, mais c'est pas une raison pour te mettre en retard. Moi, j'aurais pas attendu pour finir le jeu. Mais de toute façon, il n'y a pas assez de casse pour se rendre à bout, ça c'est sûr. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer, hein. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à ce temps-là. Fait que là, on va voir. Fait que peu importe ce qui arrive, moi, je suis correct, là. À qui il va voler des pièces? À moi ou à Wario? À Birdo? Why not, hein? Oh, shit, okay.
que dans les temps, on va se prendre au moins, il n'y a pas de conséquences pour lui. Et voilà, maintenant je retombe en deuxième place. Et on verra après ce qui se passera avec les étoiles bonus. Bon, on va pouvoir finir ce petit mini-jeu-là, let's go. Bon, allons-y. C'est parti. Bon, maintenant on va savoir qui gagne ce match de fou là. Avec plein de switch de d'étoiles qui s'en va d'un bord pour l'autre. Ça c'est moi, c'est sûr et certain. Et comment tu peux voir qui a remporté plus de mini-jeux, ça c'est moi, Yoshi. Et voilà, et de 1. Et je mène. Maintenant, à cause du mini-jeu, prenez des vêtements. Moi pis Wario. Wario et Yoshi. Et oui, pour un deuxième match d'affilée, j'obtiens toutes les étoiles bonus d'une partie. Hey, la personne qui a dit hier, ok, que je vois le plus riche ne gagne jamais. Je viens de vous prouver le contraire, là. Merci. Eh oui! Cinquantaine pièces, 5 étoiles. Dommage que les autres manquent ça parce que je pense que personne n'en aurait revenu que j'aurais gagné pareil. Oui, ben oui. Regardez ça, 278 pièces récupérées. Pièces gagnées dans le mini-jeu, 151. Pour les blocs cachés, trouvés, ça a été Bedo qui aurait gagné pour ça. Objets achetés, bon c'est Waluigi. Pour les objets utilisés, ça aurait été le joueur de Wario qui a raté 4 tours. Pour le nombre de passes parcourues, celui qui aurait eu le bonus de la lenteur, ça aurait été Waluigi. Et pour celui-là qui aurait le bonus du billet, ça aurait été le joueur de Wario. Pour les cases rouges, ça aurait été moi. À 2. Oui, je suis tombé sur 2 cases rouges, 2 tours de suite.
Ah, puis pour les points d'exclamation, j'avais dit moi puis Wario, mais ben, c'était 3-3 chacun. Je savais pas c'était combien, mais je savais que c'était moi puis l'autre. En tout cas, quand même bien joué pour l'autre joueur, même si tu as raté 4 tours. Par contre, là, t'as fait une grossière erreur. Je sais pas pour quelle raison, pourquoi t'as utilisé un tuyau d'or alors que t'as même pas assez de pièces. Mais je pense que ça leur avait changé au résultat parce que c'est moi qui avais accumulé le plus de pièces et qui a remporté le plus de mini-jeux. Que ça aurait été difficile de me rattraper. Mais quand même 93 pièces, c'est quand même très bon. Bon ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Je ferai peut-être un autre épisode la semaine prochaine, on verra. Et sur ça, tout le monde, bonne journée et à une prochaine fois. Ça a été quand même un bon match, mais j'ai trouvé ça dommage que pratiquement tous les joueurs ont parti. Avant le milieu de la partie, je comprends pas pourquoi. C'était très décevant. Mais quand même, j'ai remporté avec là les 2 étoiles bonus.